Pourquoi faisons-nous les mêmes erreurs que nos parents? Le fait de faire les mêmes erreurs sous-entend que l'on répète, que l'on reproduit inconsciemment à l'identique des schémas que nos parents ont déjà expérimentés, mais que l'on aimerait vivre différemment. Vivre sans cesse les mêmes schémas, comme celui de toujours retomber amoureux ou amoureuse du même type de personne, par exemple, ou encore d'échouer devant les mêmes épreuves, n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Et si ces schémas répétitifs ne nous appartenaient pas toujours et que nous pouvions nous en libérer? Comprendre pourquoi et comment nous pouvons ne plus faire les mêmes erreurs que nos parents, c'est ce que vous allez découvrir dans cette interview. Je m'appelle Sarah Galvan, je suis guide en développement personnel et je vous aide à transformer votre énergie pour atteindre naturellement vos rêves. Depuis que j'ai emprunté le chemin de la spiritualité, j'observe régulièrement mes attitudes, mes réactions, voire même mes comportements. Et je constate que bon nombre d'entre eux ont pu ressembler à ceux de mes parents. J'ai beau les aimer très fort, ce constat m'a toutefois parfois fait sentir très très mal, parce que j'avais l'impression au fond de ne pas savoir qui j'étais profondément. Vous savez, un peu comme si j'avais une perte d'identité, et parce que mes réactions n'étaient finalement pas les miennes. Pour mieux comprendre pourquoi je reproduisais les mêmes erreurs que celles de mes parents, et surtout pour vivre plus sereinement avec ces blocages, j'ai fait appel à Zhong Vu, qui aide à libérer les mémoires qui nous ont été transmises de génération en génération, pour vivre avec plus de fluidité et d'harmonie. Cette interview étant un peu plus longue qu'habituellement, n'hésitez pas à vous reporter dans la section chapitre dans le descriptif, où vous pourrez retrouver les différentes étapes clés que Zhong vous partagera, et vous pourrez également retrouver toutes ses coordonnées si vous vous sentez appelé à cheminer avec cette brillante thérapeute. Belle écoute à vous! Alors aujourd'hui, on va parler de transgénérationnel, on va parler de schéma répétitif. Et puis surtout, on va répondre, en tout cas, Zhong va répondre à une question. Elle va nous donner son point de vue sur pourquoi est-ce qu'on reproduit les mêmes erreurs qu'avec nos parents. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Zhong Vu. Donc je suis coach, thérapeute, énergéticienne. J'accompagne les artisans de lumière avec des blocages relationnels à libérer en transmutant tout le poids transgénérationnel pour fluidifier leur vie et gagner en impact dans leur vie. Ce que j'appelle par artisans de lumière, c'est des personnes qui œuvrent pour le bien du monde et de l'humanité. Waouh! Que de belles promesses, ça donne envie d'en savoir plus. Bah, merci en tout cas d'être présente sur cette chaîne. Je sais que tu as beaucoup à apporter. Tu as une belle lumière qui rayonne, ne serait-ce que dans ta voix, dans ton visage. Donc, j'avais envie de transmettre ça. Et c'est vrai que cette question de savoir pourquoi on reproduit les mêmes erreurs que nos parents, je pense qu'on est tous un peu concernés à un moment donné dans notre vie. Et puis aussi savoir comment... C'est bien de savoir pourquoi, mais aussi comment on s'en libère. Et ça, je sais que tu vas vraiment nous apporter des clés par rapport à ça. Donc, je te laisse démarrer. Merci pour cette question. Et avant de répondre directement à la question, j'aimerais parler de comment est-ce que ça se manifeste, justement. Comment est-ce qu'on sait que c'est peut-être quelque chose qui vient d'un schéma répétitif parce qu'avant ça, peut-être qu'on ne prend pas conscience. Donc, la manifestation se fait à travers des blocages qu'on pourrait observer. Il y a soit, d'une manière évidente, on reproduit quelque chose qu'on a déjà vu chez les parents. Donc, très concrètement, mes parents, au départ, par exemple, ils étaient assez... rigide. Enfin, quand je dis mes parents, je parle en général, les parents peuvent avoir une relation assez rigide avec les enfants, donc ça peut être qu'ils sont très bloqués d'un point de vue émotion, qui ne supportent pas les pleurs des enfants, qui les grondent, par exemple, lorsque l'enfant s'exprime. L'enfant en question qui grandit et qui s'est dit, non, moi je ne vais pas reproduire ça, arriver en tant que parents, malgré eux, ils n'arrivent pas à dépasser ce schéma. Ils continuent justement face aux pleurs des enfants, à aller les réprimer, à les gronder, à être violents. Et ça, c'est vraiment une grande impuissance. Donc ça, c'est un schéma plutôt qu'on voit justement parce qu'on se sent impuissant par rapport à ça.
On sait, mais c'est plus fort que nous. Ouais. Et deuxièmement, en fait, c'est un schéma justement qu'on ne prend pas forcément conscience. Et là, c'est aussi... moi, je trouve ça vachement intéressant et je me suis positionnée et concentrée sur les problèmes de blocage relationnel. Par exemple, voilà... j'ai un ex-mari ou un compagnon et il y a des traits chez lui mais que je supporte pas. Il y a des bons points mais en fait il y a quand même des points. C'est dur quoi, franchement. Et en fait, quand on va beaucoup plus loin, on pose la question qu'est-ce que tu n'aimes pas chez ton compagnon, par exemple. Eh bien, quand la personne est liste, en fait, toutes les caractéristiques dont elle ne supporte pas, au final, ce sont les caractéristiques qu'elle ne supporte pas chez les parents. Chez ses propres donc, parents, oui. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y a cet effet miroir déjà qui existe. Et ceux qui connaissent un peu le monde énergétique ou spirituel, on dit souvent, en fait, ce qui est à l'intérieur se trouve à l'extérieur, où l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, où on parle aussi d'effet miroir. Eckhart Tolle en a parlé aussi, ça m'a vachement inspirée. Et de là, en fait, j'ai testé son concept, parce qu'au départ, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas que l'autre soit mon miroir. Enfin, c'est quoi ce truc? Oui, c'est très dur à entendre au début, ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, il y a... quand on prend vraiment à la lettre, c'est peut-être parfois difficile, mais au final, en fait, le principe est très simple. Donc ça, on pourrait aussi en parler. Surtout, en fait, ça fait partie de comment justement s'en libérer de ces schémas. Mmh. Mais en tout cas, pour résumer finalement, on répète en fait des schémas d'une manière impuissante parce qu'on est conscient de ces schémas de ces parents-là. Où en fait on a des blocages qu'on n'arrive pas à dépasser et ça en fait ça peut être justement des schémas qu'on a hérités pas forcément que de nos parents mais aussi de nos arrière-grands-parents. En fait c'est pour ça que je parle de transgénérationnel. Mm-hmm. Et le caractéristique commun de ce que j'observe c'est vraiment en fait cette impuissance, c'est-à-dire c'est plus fort, il y a des choses où je sais mais je n'arrive pas à dépasser. Ou sinon, en fait, ça crée une situation mais, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Donc, on reparle aussi de cette notion de schéma. Oui, donc tu parles vraiment de cette notion d'impuissance. On a l'impression finalement que ça ne vient pas de nous, qu'on ne comprend pas d'où ça vient ou qu'on fait des efforts et que finalement, ça nous revient toujours... des situations particulières nous reviennent toujours dans notre vie. C'est ça que tu veux dire ? Soit en fait, on ne comprend pas, on dit mais où est mon problème ? Mais en fait, finalement, après, on prend conscience qu'on a hérité de quelque chose, si on va plus loin dans les prises de conscience. Mais en tout cas, il y a ce quelque chose, mais je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas. Ou on peut aussi dire, mais l'autre, ils ne sont pas bons, ou c'est inacceptable. Et en fait, il y a aussi ce côté, soit en fait, je regarde chez moi, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Soit en fait, c'est vraiment le monde, c'est exécrable ou en fait il y a une sorte de généralité qu'on va mettre en fait sur comment sont les gens. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu plus précisément ce que tu veux dire par transgénérationnel, peut-être pour les personnes qui n'ont pas l'habitude? Transgénérationnel, donc trans, c'est transversal, c'est donc finalement il y a ce côté où il y a quelque chose qui traverse au fil des temps. Et générationnel, génération. Donc, ça veut dire que transgénérationnel, c'est quelque chose qui traverse, en fait, au fil des générations. Là, par exemple, je vais donner un exemple concret, scientifique, en fait. On a fait une expérience comme ça avec des souris. Donc, les souris de la première génération ont reçu une expérience, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait... on mettait un son de cloche et à chaque son de cloche elles sont électrocutées, donc à force ces souris elles ont peur en fait à chaque fois qu'elles entendent le son de cloche parce qu'elles savent qu'elles vont avoir cette douleur de l'électrocution. Arrive après donc ces souris de la première génération
vont donner naissance en fait à la deuxième génération qui ne sont pas mis en contact avec la première génération. Donc, il n'y a pas eu de transmission, on va dire, visible possible. Et puis, pareil, ces souris de la deuxième génération donnent naissance à une troisième génération qui ne sont pas en contact ni à la deuxième, ni à la première génération. Et en fait, la deuxième génération n'a jamais été mise en contact non plus avec le son de cloche. Et pourtant, on observe qu'à la troisième génération, donc ces souris-là qui n'ont jamais entendu ce son de cloche non plus, eh bien, lorsqu'on active ce son de cloche, on voit dans leur réaction une peur comme les souris de la première génération. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été gardé. En mémoire. Voilà, en mémoire. Et en fait, pour moi, et du coup, ça va créer en fait quelque chose de inexplicable. Mais pourquoi est-ce que je réagis autant avec ce son de cloche? Et du coup, il y a cette notion, c'est plus fort que moi. C'est une sorte d'automatisme, finalement, du corps. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de schéma ou de programme. Parce que la programmation a été faite, finalement, du coup, pendant la première génération, c'est-à-dire son de cloche égale douleur, égale danger, donc égale peur. Donc, la peur pour vraiment en fait préparer le corps face au danger. Le lien qui me vient par rapport à ce que tu transmets sur la le fait que ça se transmet de génération en génération, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'eau, la mémoire cellulaire. Oui. Je pense que tu es assez d'accord pour dire que voilà, c'est peut-être pas la... Oui, c'est peut-être pas la seule explication, le fait que l'eau transmette l'information dans les tissus cellulaires, finalement. Mais je sais qu'on en avait parlé toutes les deux, et puis il y a beaucoup d'expériences qui le prouvent aujourd'hui. Mais en tout cas, notre corps est constitué à 90% de liquide, et en tout cas à 70% d'eau. Donc, il y a vraiment cette information qui se transmet, de génération en génération. Et comme tu dis, ça peut sauter une génération. Alors, est-ce que tu as une explication peut-être sur justement comment ça peut sauter une génération? Alors, dans le cas précis, hein, on ne sait pas vraiment si ça a sauté d'une génération, puisqu'on n'a pas fait l'expérience, en fait, avec souris de la deuxième génération. Déjà, il y a ça. Et puis, je mettrai aussi entre parenthèses de l'importance, finalement, pour moi, de mon point de vue, de ce côté transgénérationnel, parce que, du coup, là, on a donné l'exemple de quelque chose qui, entre guillemets, est négatif ou handicapant. Mais en fait, pour moi, ça participe aussi à l'évolution des espèces, puisque, finalement, qu'est-ce qui fait qu'un animal qui naît et qui a en fait des réflexes déjà entre guillemets naturels sur le danger ou les prédateurs. Pour moi, je donne cette explication-là. Ouais. Et par rapport au fait de sauter les générations, après, je pense que l'objectif, ce n'est pas forcément d'aller tout comprendre, parce que... On pourrait aussi aller dans le côté explication métaphysique, les énergies, voire peut-être aussi karmique. Et après, au final, ce qui est important, c'est qu'est-ce que justement ce schéma nous apporte. Et en fait, ce que j'invite, c'est un changement de point de vue. Ce n'est plus en fait de voir ces schémas comme un boulet. Bon, j'en parle de poids, mais parce que c'est la première perception, c'est un poids. Et qu'au final, en fait, ça nous amène à une compréhension beaucoup plus profonde et ça nous amène vers un état d'être à la fin lorsqu'on les libère. Et la libération, en fait, c'est un résultat de notre état d'être, de notre compréhension, de notre connexion, qui fait que finalement, ça se libère, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport, je transpose ça à la dualité. Jung, il en parle beaucoup, justement, accepter toutes ces parts de nous et pas forcément être dans, ok, on a quelque chose, entre guillemets, qu'on qualifie de négatif et on souhaite s'en débarrasser, mais toi, tu parles plus de transformation pour que tu composes quand même avec ce qui te vient et puis amener à soit mieux vivre avec, soit du coup à le regarder sous un autre point de vue. Moi, j'aime bien ta réponse. Merci. Okay. Merci. En fait, là, l'exemple qui me vient, c'est un peu comme si, en fait, je fais un focus, en fait, sur une tâche de rousseur, par exemple. Et que, en fait, je me concentre sur cette tâche-là et je dis, mais c'est horrible.
C'est horrible, sa présence, en fait, ça m'empêche, en gros, d'être moi-même. Ça m'empêche, en fait, d'avancer dans la vie parce que j'ai honte de cette tâche, parce qu'à chaque fois, je suis concentrée sur cette tâche-là. Donc, en fait, il y a un rejet. Sachant que cette tâche, finalement, elle fait partie de moi. Et c'est là où il commence déjà à avoir une prise de conscience, de voir d'abord la tâche, hein, et puis après d'intégrer cette tâche d'une autre manière, de l'accueillir. Et en fait, finalement, de prendre conscience, mais en fait, cette tâche-là, elle m'a permis d'être qui je suis, entre guillemets, hein, parce que je suis là, avec, née avec cette tâche-là. Et au bout d'un moment, lorsqu'on est en paix avec la tâche, voire même on considère que c'est ça fait partie de notre particularité et qu'on l'accueille, là, du coup, en fait, on est fier, en fait, de cette tâche-là. Et on vit avec, et même parfois, on ne s'en rend même plus compte, en fait, on ne voit même plus la tâche, ou on va voir la tâche avec un autre regard, avec un ressenti beaucoup plus aimant. Et donc là, ce qui est important pour moi, c'est lorsqu'on va aller dans les libérations, généralement, en fait, les gens, ouais, on parle de pardon, on s'efforce quelque part à aller comprendre les choses. Et c'était aussi un schéma que j'avais avant. C'est, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai compris pourquoi, donc c'est bon, je n'ai plus le problème. Et en fait, la clé, ce n'est pas dans la compréhension mentale. C'est vraiment en fait dans l'intégration, dans l'accueil de l'ensemble du corps. Ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on accepte mentalement par le raisonnement, par la compréhension, et qu'on se dit, allez, on accepte, on est en paix, qu'on l'est. Et ça se joue vraiment aussi d'un point de vue déjà émotionnel. Ça se joue en fait sur différents plans, hein. Y a aussi en fait ce qui vient chez moi, puisqu'on parlait de ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc les événements extérieurs qui viennent à moi, ou mon état d'être, permet de savoir si finalement en fait je suis réellement en paix avec ce schéma-là ou pas. Voilà. Donc, là, ça paraît un peu théorique, mais on pourrait aussi partir dans un exemple. Moi, ça me parle énormément, ton exemple sur la tâche de rousseur, parce que personnellement, j'ai une cicatrice, donc je ne suis pas née avec, qui est sur le visage. Et pendant des années, je ne l'acceptais pas. Je le vivais très, très mal, parce que voilà, je suis une fille, une cicatrice sur le visage, forcément, ça se voit. Et pendant des années, la première question qu'on me posait, et je trouvais ça dingue d'ailleurs, c'était pas qu'est-ce que je faisais dans la vie ou quoi, non, c'était comment je m'étais fait cette cicatrice-là. Et un jour, je l'ai vraiment acceptée. Voilà, ça s'est fait naturellement, ou peut-être grâce même à un soin énergétique à l'époque, je me rappelle plus trop, j'étais jeune, hein, j'étais à l'époque du lycée. Et à partir du moment où il y a eu vraiment cet accueil, eh bien, on ne m'a plus jamais posé la question. Et même au final, les gens qui me connaissent très bien ont fini par me dire, après cette intégration-là, m'ont dit « Ah, ça te donne un charme fou, cette cicatrice !» Donc, je suis passée de « Je ne la supportais pas » à « Ça devient un petit plus, ça me donne du caractère, visiblement, bon, je l'accepte, je l'entends. » Mais c'est vraiment ça, hein, c'est exactement ce que je disais avec la tâche de rousseur. Bah, là, merci pour l'exemple, j'adore, parce que là, du coup, ça illustre vraiment que ce qui est l'extérieur, les événements qui viennent à nous, représentent ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, tu rejettes en fait cette cicatrice. Et donc, en fait, ça t'amène justement des gens qui expriment en fait ce rejet-là, qui vont interroger, mais c'est quoi cette cicatrice? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il se concentre pas du coup sur, tu vois, ta personne, mais sur la cicatrice, pour que tu mettes en fait la conscience dessus. Et quand tu prends conscience, de cet accueil, ou en tout cas les événements font que l'accueil est arrivé, et bien comme tu disais, cette manifestation n'est plus là. Et donc vraiment pour savoir qu'est-ce que j'ai encore en moi. Et en fait, finalement, on fonctionne beaucoup, hein, avec des schémas inconscients qu'on hérite. Lorsqu'on observe vraiment nos pensées, nos émotions, les événements qui viennent à nous, ce que les gens disent, ce qu'on perçoit du monde, eh bien là, on sait réellement, en fait, on peut, dans une introspection, en fait, avoir plus de conscience
de notre intériorité. Ouais, je l'ai compris après coup parce qu'à cet âge-là, j'étais pas du tout encore sur la connaissance énergétique. J'étais pas dans tout cet univers magique, mais je sais que je vibrais la peur. J'avais peur qu'on me pose la question. Au bout d'un moment, j'étais pas à l'aise. Enfin, vraiment, il y avait quelque chose qui se jouait vis-à-vis de cette énergie qui du coup amenait forcément ces questions-là. Et je me rappelle quand même que je suis passée par une phase que tu as mentionnée tout à l'heure et qui pour moi qui est super importante, c'est le pardon vis-à-vis de moi-même, de m'être tant mis la pression par rapport à cette cicatrice. Enfin voilà, il y a eu toute cette étape de libération qui a été super aussi importante, je me rappelle. Tout à fait. Et en fait, alors le pardon pour moi, j'aimerais préciser que c'est le fait d'être en paix. Oui, c'est ça. Et c'est pas en fait se forcer à être d'accord ou quoi que ce soit. C'est vraiment être en paix. Voilà. Et l'acceptation, en fait, pour moi, c'est aussi un résultat de la paix qui est là. C'est ta perception, ta relation, en fait, la chose qui est paisible, en fait. Après, je parlerai aussi un peu sur, si on en parle, sur la libération, comment ça se passe, comment la paix, en fait, arrive, parce que souvent, on s'efforce de pardonner, mais en fait, d'abord, c'est pas... S'efforcer de pardonner, c'est déjà un peu paradoxal. Et en fait, c'est d'aller observer tout ce qui est derrière tout ça. Et d'abord, c'est être en paix avec soi-même et même être en paix avec la partie qui a du mal à être en paix. Oui. Tout ça. En fait, la première étape que tu donnes, c'est déjà cette prise de conscience. Oui, tout à fait. Après, en fait, la libération que tu mentionnes. C'est ça. Ouais. Et après, c'est l'ancrage. C'est finalement comment est ta nouvelle vie avec tes actions concrètes en fait dans la vie, libérée en fait de ces schémas. Donc en fait, ta nouvelle personne, voilà, dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que en fait, pourquoi on parle d'ancrage ? Parce que il y a des moments où on va prendre conscience de quelque chose. Voilà, on s'en libère, mais après, on réapprend avec des nouvelles ressources, avec la nouvelle prise de conscience. Je donne par exemple l'exemple d'un... Est-ce que tu pourrais juste peut-être nous dire, selon toi, comment tu perçois l'ancrage ? Parce que c'est vrai que moi, à l'époque, pareil, quand on m'avait dit ça, je ne comprenais pas, en fait. J'ai mis des années avant de comprendre par l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui m'a fait comprendre ce que c'était l'ancrage, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Tout à fait. On prend tout à fait aussi... Nous, on est dedans, donc voilà. Pas ancré, mais ça veut dire quoi? Alors, cette notion d'ancrage, je pense que ça évolue en fonction du temps, des perceptions aussi des personnes. Pour moi, l'ancrage, c'est la vie de tous les jours, c'est être présent à ce qu'on est en train de faire et en fait à vivre la vie, quoi, tout simplement, mais dans cette présence-là. Voilà. En gros, nos schémas, en fait, qui sont là. Alors, je vais donner un exemple. Hein. Imaginons, j'ai de la peur. La peur de manquer. Voilà, donc, ce qui fait que tout le temps, même si j'ai de l'argent sur mon compte, eh bien, j'aime pas trop dépenser. Je vais toujours penser au futur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ou je vais surveiller vraiment en fait, des dépenses, alors que en vrai, il n'y a pas vraiment de manque, je suis en sécurité, mais il y a toujours cette projection de manque, donc c'est une peur. Cette peur, en fait, elle est du coup aussi ce côté transgénérationnel, hein, puisque finalement, cette peur de manque peut être liée, par exemple, à la vie de nos parents, ou voire de nos grands-parents, qui avant pouvaient vivre en fait dans la pauvreté. Ou par exemple des peuples qui ont vécu l'immigration, il y a aussi ce côté, on a tout perdu, on a tout laissé, et il y a cette phase justement d'une très grande peur de perdre et de manquer. Oui, c'est pas forcément lié à l'argent, voilà. En plus. Tout à fait, voilà. Et en plus, par rapport à l'argent, il y a encore plein de choses qui peuvent être liées sur la croyance, sur le schéma de l'argent qui est sale, que je ne mérite pas, etc. Donc, il y a tout un tas de schémas qui sont derrière. Hein, moi. C'est un peu comme si on a un arbre avec, on a plein de racines et puis de branches. En fait, le jeu, c'est d'aller en fait, dépatouiller
se dépatouiller entre tout ça. Et donc, je reviens justement sur le schéma du coup, là, de la peur de manquer, qui, je vois, j'observe ce schéma-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis dans cette peur-là, qui est irrationnelle. Ouais. Et après, quand on va remonter, on comprend que finalement, il y a du coup du transgénérationnel. Parce que dans mon vécu, je n'ai pas non plus vraiment vécu consciemment ce manque. Peut-être que dans l'enfance, ben voilà, il y a eu une période difficile des parents. Donc ça, ça aurait pu aussi me transmettre. Déjà aussi dans le ventre de la mère, l'enfant aurait pu aussi recevoir hein, toutes les émotions, les schémas en fait, des parents, parce que c'est, le fœtus, il capte tout. Hein. C'est tout à fait. Et ben, du coup, voilà, le cas des grands-parents qui ont vécu en fait, la guerre, par exemple, le manque. Et donc, ça se retrouve chez moi. Donc, on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, déjà, prise de conscience est une forme de libération. Ça, c'est la première partie. Parce que ça permet, en fait, de ne pas déjà s'identifier à ça. De ne pas dire, oh, mais quel est mon problème ? Pourquoi est-ce que j'ai développé ça ? Et de ne pas être en réactivité. C'est-à-dire que souvent, quand on a peur, ben, tout de suite, on réagit. Et là, quand tout d'un coup, on ressent cette peur de manquer, on se dit, OK, ça, c'est pas moi. C'est quelque chose que je porte en tant que schéma, mais ce n'est pas relié, en fait, avec la réalité. Tout comme l'histoire des souris de troisième génération, lorsqu'ils prennent conscience de cette histoire de son de cloche, et qu'ils réagissent avec leur peur, hein, eh bien, là, c'est se dire, bah non, finalement, c'est entre guillemets, illusion, ce n'est plus d'actualité. Cette peur-là a été utile à un moment donné, mais maintenant, elle n'est plus utile. C'est un programme obsolète. Voilà. Donc, pour pouvoir se libérer d'un programme obsolète, il y a besoin d'abord d'en avoir conscience. Puis après, on va le libérer. Donc, je fais court, je ne parle pas encore de comment est-ce qu'on libère, parce que l'objectif, c'est de répondre à l'ancrage, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, dans la libération, bah, ça y est, en fait, je suis en paix. Finalement, j'emmène en fait cette paix-là du transgénérationnel, par exemple, des grands-parents qui avaient peur. Ben, finalement, je suis en paix avec l'argent, avec en reliance en fait avec la sécurité là. Par contre, le corps, quelque part, il a aussi une sorte de mémoire, on va dire gestuelle. Gestuelle ou action. Et donc, en fait, peut-être qu'on sait que, bah oui, non, maintenant, c'est bon, on n'a plus besoin d'avoir peur. Donc, quand je vais m'acheter un cookie qui coûte 5 € et que avant je trouvais cher, eh bien, en fait, l'ancrage, c'est bah, finalement, je sens cette envie d'acheter un cookie, je l'achète. Voilà. Et en fait, c'est d'observer bah, finalement où se trouve bah, ma peur, mes émotions, etc. Et l'ancrage, c'est vraiment en fait cette reprogrammation d'une manière visible dans la vie quotidienne. Du coup, là, tu invites effectivement à être dans cette conscience et puis après de venir être en paix et puis ce qui amène à l'ancrage, à l'intégration de ce qu'on est en train de transmuter, comme tu dirais. Des fois, j'imagine que c'est pas toujours évident tout seul d'y arriver, et c'est là où je trouve que toi, tu apportes vraiment quelque chose sur le plan énergétique. T'as plein d'outils dans ton. Comme je dis toujours, pour moi, Vatsong, c'est quelqu'un qui a un coffre à trésors, et puis elle va regarder dedans et choisir en fonction de la personne qu'elle accompagne. Qu'est-ce qui est le plus adéquat pour elle ? Et peut-être que tu veux nous parler un petit peu rapidement. Voilà, est-ce que tu utilises la kinésiologie ? Enfin, qu'est-ce que tu peux être amené à utiliser comme thérapie, comme outil magique pour aider les personnes justement dans cette transformation ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, maintenant, de plus en plus, j'utilise plus outil. Enfin, c'est-à-dire que je me détache de plus en plus en fait de la technique, puisque à travers l'ensemble de mes formations, de mes expériences, au final, il y a toujours en fait le même fil rouge. Donc d'abord sur la compréhension de l'humain,
et aussi sur la compréhension de comment fonctionne ce monde, hein, cet univers. Et à partir de là, il y a à considérer l'être humain dans toutes ses dimensions, dans un ensemble. Donc, l'être humain, il y a la partie, on va dire, physique, matière. Il y a la partie, du coup, émotionnelle. Il y a aussi la partie énergétique et aussi la partie spirituelle. Et un problème, en fait, peut, en général, se loge, en fait, et concerne finalement l'ensemble de ces dimensions-là. Mmh. Et vraiment, de plus en plus, je me connecte avec mon intuition, avec ce qui arrive sur le moment. Donc, généralement, ce qui est le plus utilisé, donc, c'est l'hypnose. L'hypnose, et même parfois, les gens vont appeler ça l'hypnose spirituelle. Mais en fait, pour moi, derrière tout ça, c'est comment fonctionne l'humain. C'est en fait de comprendre le pouvoir, premièrement, des mots. Hein, donc la prise de conscience, c'est aussi en fait Je rappelle que tu es médium, hein, quand même. La médiumnité, c'est développé aussi au fur et à mesure en fonction des libérations que j'ai fait sur moi et aussi sur les autres. Oui, oui. Et en fait, effectivement, tout ce que je dis là, il n'y a pas de hasard, hein, même si avant j'avais déjà imaginé des exemples à donner, mais je sais que ce n'est pas un hasard que j'ai parlé tout d'un coup d'une tache de rousseur, alors que je pensais, pourquoi pas donner l'exemple d'un membre, et finalement c'est tombé sur ça, et en fait, je découvre après qu'il y a cette histoire de cicatrice. Donc, je ferme la parenthèse. Donc il y a l'hypnose qui finalement permet de comprendre qu'il n'y a pas de temps, en fait, quelque part, hein. Le présent, le passé, le futur, l'imagination, eh bien, en fait, le corps, du moment qu'il le vit, il le prend pour réel. Mais ça parle, du coup, de notre pouvoir créateur. Donc, à partir du moment où on arrive à modifier sa perception intérieure de quelque chose, eh bien, ça modifie également du coup, notre énergie et notre monde. Exactement. Ouais. Sachant qu'au final, comment est-ce, enfin, le monde qui nous entoure, on a l'impression qu'il nous entoure, on a l'impression qu'il est extérieur à nous, mais qu'est-ce qui fait qu'on perçoit le monde à travers nos sens? Et donc, quelque part, le monde, il est là à travers notre perception. Oui, puis on est créateur de ce qu'on, comme tu dis, de ce qu'on perçoit. Voilà. C'est-à-dire qu'on entretient cet optimisme, cette joie de vivre, ou au contraire, on peut alimenter quelque chose de beaucoup plus négatif, sombre. Et encore une fois, quand je dis négatif, ce n'est pas forcément un mal. Hein. Il y a des personnes qui aiment écouter, entre guillemets, des musiques qui vont donner qui vont nous faire pleurer. Mais moi, je vois ça comme aussi quelque chose de très beau, de très positif. C'est chaque personne a sa vision du monde et c'est respectable. Tant que ce n'est pas dans quelque chose de répétitif et qui t'amène à être dans une névrose, quoi, quelque part d'addictif ou de voilà, tu parlais de dépendance affective, par exemple. Là, on rentre dans quelque chose qui devient, si on prend le terme négatif, vraiment négatif, quoi. Ouais. En fait, négatif ici, ça parle du coup en termes de vibration, puisque l'être humain, on est aussi une vibration, et donc en fait si on vit à partir d'une certaine vibration, du coup notre corps il est plutôt, on va dire, dans l'équilibre, en bonne santé, et en dessous d'une certaine vibration, eh bien il est déséquilibré. C'est en ça qu'on va parler de positif et de négatif. Il n'y a rien de mal en soi, on peut aussi choisir en fait d'expérimenter quelque chose dans une vibration basse et observer justement la relation de cause à effet pour dire finalement je vois qu'il y a ça qui se passe, ça me plaît pas trop, et donc je peux aussi choisir de monter en vibration. Et ça, encore une fois, cette vibration là elle est pour moi, dans ma perception, elle est liée justement au niveau de comment est l'équilibre, l'état de mon corps physique, émotion, aussi énergétique et spirituel. Donc c'est, encore une fois, on revient toujours en fait là-dedans pour en fait aller agir sur différents niveaux en fonction des différents outils.
Ouais. L'hypnose, j'aime beaucoup parce que finalement, c'est transversal. Et même quand on parle d'hypnose, pour moi, c'est le fonctionnement quelque part de l'être humain. Mmh. Si on va beaucoup plus loin, en fait, en profondeur, là, même maintenant, quand je parle et qu'on m'écoute, vous êtes déjà, en fait, dans cet état d'hypnose. Mmh. Et là, je parlais aussi de l'outil de l'hypnose avec la visualisation, avec la perception qui change. Et quand cette perception change, donc y compris la perception que nous avons de ces schémas, la perception que nous avons des parents, et quand on parle de blocage relationnel, qu'on a changé cette perception-là, c'est-à-dire d'une personne qu'on déteste à finalement, ben, on est en paix et vraiment dans le ressenti, mais on comprend finalement que cette personne, elle reflète quelque chose à l'intérieur de moi. Et parce que je suis tellement en paix avec moi et que j'accueille toutes ces parts de moi, y compris les parts négatives, vibrations basses, eh bien en fait, ma relation avec ces mêmes parties, cette même énergie à l'extérieur, elle est aussi aimante et paisible. Et voilà, et c'est ça qui va créer justement cette libération. Donc là, je parlais de l'hypnose, ouais. Mais il y a aussi en fait, finalement, tout ce qu'on pourrait aller libérer d'un point de vue corporel, physique, ça peut être aussi des exercices, parfois d'étirement, des exercices qu'on trouve aussi en brain gym avec la kinésiologie, le lien entre les mouvements du corps et le cerveau aussi qui se passe dans le corps. Mm-hmm. Aussi tout ce qui est énergétique. Je suis formée par exemple aux énergies des guérisseurs de lumière. Mais en fait, à la fin, c'est vraiment moi dans ma personne, dans ma sensibilité, ben, qu'est-ce que je peux utiliser. Et c'est vraiment, c'est par cette médiumnité que j'ai pu développer, mmh. en sachant qu'on est tous médiums. C'est juste que je suis à un degré qui finalement me permet d'être encore plus conscient de l'utilisation de ces facultés. Ouais. Bah, ça me permet en fait de on peut parler d'intuition, de canalisation, de faire descendre, de savoir bah, pour la personne qu'est-ce qui est le mieux. Et ça en fait je ne saurais pas forcément le dire à l'avant, je pourrais avoir une perception, mais vraiment c'est sur le moment même où l'outil arrive. Et après il y a plusieurs quand on va travailler aussi d'un point de vue énergétique, ben, de toute façon tout est vibration, et ben là il y a le pouvoir des mots. Donc, par exemple, le fait que moi, je parle et je dis des mots importants, bah, du coup, l'inconscient et le corps de la personne, elle le reçoit. Donc, déjà, va recevoir aussi une vibration énergétique à travers ma voix. Ça, je le répète tellement sur ma chaîne que je suis bien contente que tu le répètes que les gens l'entendent une autre voix. Voilà, c'est ça. C'est se reconnecter avec sa voix, hein. Et rien que ça, ça fait travailler, en fait, ça va agir d'un point de vue inconscient. Et même, c'est-à-dire que rien qu'une discussion peut déclencher déjà, en fait, des mouvements, des changements à l'intérieur du corps, des prises de conscience. Mmh. Et donc, soit c'est moi qui parle, soit c'est l'autre qui parle, ou voire même qui reçoit dans ses propres guidances ou par l'hypnose, hein. Mmh. Et donc, ça peut se passer aussi à travers des chants. Donc, les chants, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va chanter un petit peu le mental, c'est-à-dire le mental, il n'a aucune accroche pour aller expliquer ou comprendre quoi que ce soit. Donc là, du coup, il va recevoir en fait la vibration des chants. Quand on parle de vibration, on parle d'énergie, donc on parle aussi d'information, chaque son comporte en fait des informations. Et en fait, à travers là, ben, c'est comme si je renvoyais de nouveaux programmes. Ou une autre vibration qui va aller faire vibrer l'intérieur du corps de la personne. On peut parler aussi du quantique parce que c'est au niveau atomique. Et donc, en fait, ça va aller dissoudre aussi les énergies parasitaires qui ont constitué la mémoire en fait, de nos chocs émotionnels ou de ce qu'on a pu hériter. Ouais. Ouais, en termes d'outils, il y en a énormément. Après, pour moi, c'est comme je disais, on restructure en fait sur le principe de fonctionnement de l'être humain. L'extérieur, c'est l'intérieur, donc on prend conscience. Après, c'est aller voir les différents niveaux physiques, émotionnels, énergétiques, spirituels. Donc, dans le physique, tu as aussi les mouvements et aussi le côté nourriture. Hein. Oui. Et donc, c'est vraiment une approche globale, holistique. Et puis après, c'est vraiment ben, quand on change notre perception,
intérieur, on change notre réalité. Et c'est là où on reprend vraiment notre pouvoir pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie réellement dans ma vie? Mais pour savoir ce que j'ai envie réellement dans ma vie avec ma propre énergie, donc libérer les schémas, bah, y a besoin d'aller prendre conscience de quelle est ma partie réellement à moi ou quelle est la partie en fait qui appartient au schéma. En tout cas, c'est vraiment un accompagnement que tu maîtrises du bout des doigts. Moi, j'ai fait un petit passage entre tes mains et ça m'a été hyper bénéfique, vraiment. On a fait des séances qui étaient tellement différentes les unes des autres et pour autant, qui m'ont vraiment apporté des libérations incroyables. Je pense même qu'à un moment donné, j'ai dû te consulter, si je ne dis pas de bêtises, pour développer aussi cette part intuitive et puis de médiumnité. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur ma chaîne, mais ça se développe aussi énormément, comme tu disais, un peu comme toi, c'est-à-dire que ça vient quand ça doit venir, quoi. Et vraiment pas dans une recherche de en tout cas moi, hein, je parle à mon niveau, de me connecter à quoi que ce soit, c'est une image vient et là, on est là pour la transmettre et c'est assez incroyable de voir à quel point ça résonne chez la personne en face, quoi. C'est comme si, moi j'appelle ça finalement des télépathies, c'est comme si elle me transmettait une info en me disant, oulala, il faut absolument qu'elle l'entende. Et comme tu dis, les mots sont des vibrations, de l'énergie, et à chaque fois ça tombe dans le mille, quoi. Donc c'est magique tout ça. Moi j'appelle ça le monde magique. Tout à fait. Ouais. J'aimerais parler un peu aussi de la libération, parce qu'on a parlé de prise de conscience, oui. Avec l'effet miroir, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. On a parlé de l'ancrage, c'est finalement en fait revivre sa vie, mais sans du coup les anciens schémas. Et en fait, la libération, comment ça pourrait se passer, en fait, c'est d'abord pour moi, la libération se passe, c'est à l'intérieur du corps. Parce qu'à l'intérieur du corps, c'est là où on a aussi des émotions et les mémoires. Comme j'avais dit, le fait de comprendre, de savoir ne suffit pas pour libérer. Et on peut être mentalement, se dire, ah oui, je suis en paix. écoutez simplement la vibration que vous émettez quand on dit ouais non moi j'ai aucun problème avec ce problème, il y a quelque chose derrière et donc là en fait on va rentrer là-dedans et généralement comment ça se passe c'est qu'en fait donc ça souvent chez moi en tout cas beaucoup sous forme de entre guillemets d'hypnose, de méditation, de visualisation intérieure et de vécu. Par exemple, moi-même, quand je le fais pour moi, ou voire même pour les autres, je vais voir en fait l'image d'une histoire. Je vais donner un exemple concret. Du coup, pour moi, par exemple, moi, j'avais ce schéma de cette difficulté à choisir. Et du coup, je comprends pas pourquoi, et alors que c'est très très fort. Et bien là, justement, je vais en méditation, je vais aller reconnecter en fait, en rentrant dans cette émotion, et du coup, ça me raconte une histoire. Par exemple, l'histoire, je vois la guerre, je vois en fait une mère en fait qui devait choisir entre les deux enfants à sauver. Et donc, c'est cette douleur à libérer parce que je dois faire un choix et quel que soit le choix, je suis en grande souffrance. C'est comme si, finalement, à l'intérieur de moi, je portais l'équivalent de cette douleur-là. Et du coup, déjà, rien qu'en sachant ça, j'arrête de me juger en disant « Mais pourquoi est-ce que je réagis autant lorsque je dois choisir ?» Pourquoi c'est si compliqué? Quand on voit l'ampleur de la douleur, de la souffrance de cette mère, je me dis finalement c'est normal. Et après en fait lorsqu'on change l'histoire, parce qu'à ce moment-là je suis à la fois l'actrice, c'est-à-dire je vis la chose, je suis à la fois observateur, hein, je vois la chose, je suis à la fois le réalisateur, le scénariste. Donc je réécris la chose et là du coup finalement j'amène en fait la mère à être en paix, c'est-à-dire qu'elle se pardonne elle-même. Être en paix, c'est d'abord se pardonner à soi, quelle que soit notre personne, quelle que soit notre action, quel que soit notre état,
C'est vraiment ça. Et là, c'est vraiment, ce n'est pas au niveau mental, je répète, c'est dans le ressenti. Le mental, il émet cette intention, oui, j'ai envie d'être en paix. Et là, c'est vraiment, par exemple, moi, ce que je fais, c'est dans l'hypnose, aller avec le son de la voix, hein, quand la voix, elle est vraiment, elle envoie cette énergie d'amour, d'accueil, etc., ça ramène en fait l'autre dans cet état d'accueil, d'amour. Mmh. On revient encore justement sur la voix. Et là, après, en fait, ça peut être sous forme de conte qui va re-raconter en fait l'histoire autrement, ou un échange en fait avec cette mère qui voit les choses autrement, qui se connecte. À la fin, moi, je vais toujours aller dans une connexion de âme à âme. La mère qui se dit, mais ça y est, j'ai tué mon enfant quelque part. Eh bien, en fait, je l'invite à se connecter aussi à ses enfants d'un point de vue âme et à se parler, à se pardonner, et qu'elle prend conscience que finalement, ses enfants n'ont pas réellement disparu. Déjà, rien que ça, ça crée aussi cette paix, puisque l'humain, voilà, c'est ça, l'humain, en fait, les problématiques, les peurs, elle est aussi liée avec la mort, avec une séparation, avec la coupure. Ouais. Et à la fin, lorsque j'observe en moi et je vois aussi la lumière et cette paix et ce sourire, en fait, chez la mère, je sais qu'il y a quelque chose qui est libéré. Donc, c'est pour ça que je parle de changement de perception. Mmh. Et c'est pareil. Par exemple, moi, quand je parlais aussi, on parlait de dépendance affective, où moi, j'étais aussi avec mon copain. Et je sentais, en fait, cette petite douleur quand je l'ai quitté dans le train. Si je suis honnête et je rentre dans cette douleur, j'ai envie de pleurer. Et je me dis, OK, mais pourquoi ça? Parce que je sais mentalement que, entre guillemets, c'est irraisonnable. Enfin, on va se voir, on ne se quitte pas. Mais pourquoi il y a cette tristesse, cette douleur à l'intérieur de moi? Quand je rentre en fait à l'intérieur de cette émotion, c'est comme si, je dis toujours c'est comme si, et peu importe est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, une sorte en fait d'abandon qu'un enfant a pu avoir, soit par exemple face à son père, ou une femme qui a dû quitter son mari parce que le mari est parti à la guerre. Voilà. Là, on parle d'un point de vue transgénérationnel, donc cette perte qu'on a, et que du coup, c'est tellement fort en fait de... par rapport au programme, hein, toujours si on revient sur l'expérience des souris avec le son d'alarme, il n'y a rien qui se passe, et pourtant c'est relié à une mémoire très douloureuse. Donc en fait, j'ai envie de dire que sur cette prise de conscience du transgénérationnel, et voire même parfois on peut parler de karmique, c'est se pardonner et se dire, mais tout est normal dans ma réaction, il y a rien d'anormal, je n'ai pas de problème. C'est simplement que je n'ai pas mis la lumière sur le schéma, sur ce que je porte. Mmh. Et là, du coup, ça donne une invitation d'aller découvrir son histoire, ce qu'on porte, d'être en paix avec. Et d'abord, être en paix, c'est accueillir l'émotion, c'est simplement laisser vivre dans le corps. Et on ne lutte plus contre ça, on accueille, donc on ne rejette plus. Mmh. Et là, c'est là où finalement on arrive à entendre les messages, à aller prendre conscience de certaines choses qu'on n'a pas pris conscience. Et c'est là où on arrive dans cette paix de notre vécu, et aussi le vécu des grands-parents, pour finalement, à chaque fois que je vais revoir le même schéma, voire y compris à l'extérieur, puisque l'extérieur c'est à l'intérieur, bien, comme j'ai aimé ma version avec ce schéma-là, je suis en paix et je suis bien en fait, même si ça existe toujours. Hein, et ce n'est plus finalement ne plus avoir ce schéma, ce n'est plus un questionnement, est-ce que j'ai ou pas encore ce schéma, c'est finalement qu'il est là ou pas, c'est OK et je l'aime. Voilà, c'est ça la vraie libération pour moi. Oui, et puis c'est très doux en général, parce qu'on peut du coup repenser à ce fameux schéma, mais c'est plus douloureux, en tout cas à l'intérieur physiquement, parce que tu parles de sensations corporelles, et moi je te suis à 2000% sur ce plan-là, où pour moi ça passe effectivement pas du tout par le mental, mais vraiment par le ressenti corporel. Et quand il y a la libération qui est intégrée à l'intérieur de notre corps, on le sait, on le sent en fait, ça vibre vraiment différemment en nous. On est, c'est OK en fait, et c'est vrai que l'hypnose notamment, ça amène beaucoup
à ces états où on peut revivre une situation, en tout cas mentalement, visuellement, en tout cas y repenser, et on vit la situation complètement différemment. Ouais, tout à fait. Et moi, en tant que thérapeute, lorsque je suis avec un client, en fonction des outils qui se présentent à moi, mais il y a quand même en fait le cas où ben, c'est moi qui perçois et qui va en fait conter l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait des accompagnements sur longue durée, parce que le temps où ça intègre en fait et puis qu'on ancre, c'est-à-dire qu'on met en pratique, voilà, l'ancrage et la mise en pratique. Voilà, ce que je conseille, c'est vraiment dans ma pratique en fait, j'observe que l'accompagnement en durée, c'est ce qui est le mieux. Parce que en fait, on pourrait avoir, voilà, une seule fois avoir de grosses libérations. Et ça ne veut pas dire que c'est intégré. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à ancrer dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et en plus, il y a besoin, hein, comme on avait parlé de plusieurs niveaux, d'aller en fait checker les différents niveaux. Et c'est un peu comme si voilà, j'apprends un sport ou j'apprends une danse. Au départ, OK, j'ai compris la théorie, mais ce n'est pas parce que j'ai compris la théorie que je sais danser. Je sais faire la chorégraphie. Ce n'est pas parce que je vois et j'arrive à décomposer mentalement chaque pas que je sais le faire. Il y a besoin en fait de cet entraînement. Ce n'est pas parce que j'ai réussi à le faire une première fois qu'après, je m'en souviens. Je pourrais faire une fois, peut-être aller deux, trois fois consécutifs et puis après, j'arrête, je passe à autre chose. Eh bien, je vais oublier. Mais il y a un moment donné où c'était tellement ancré à l'intérieur de moi que du coup, en fait, je n'oublie plus. Et que finalement, quand ça arrive, une sorte de nouvel automatisme, en fait, c'est ce nouvel, entre guillemets, automatisme qui a besoin d'être ancré, intégré dans la vie de tous les jours. Hein. C'est comme, par exemple, faire du vélo ou faire du ski. Et souvent, on dit, on l'oublie pas. Mais parce qu'en fait, on a passé par toutes ces étapes, on est tombé, après on reprend, on a compris, puis on a oublié. Et puis après, on arrive à le faire d'une manière beaucoup plus durablement que là, ça s'intègre. Et là, du coup, l'accompagnement sert à ça. Et je reviens un peu sur l'idée initiale que je voulais présenter, c'est qu'en fait, il y a une phase où finalement la personne n'a pas encore ce niveau de conscience. Donc, au fur et à mesure, je l'emmène dans cette conscience-là. Donc, c'est à la fois une forme de formation pour qu'elle puisse changer en fait son automatisme de perception des choses, de comprendre comment elle pourrait prendre conscience d'elle-même des choses dans sa vie quotidienne. Ouais. Prendre conscience de ce qu'elle vit. Et donc, c'est vraiment, voilà, je donne un sort de protocole, une manière, en fait, de le faire pour qu'elle puisse pratiquer. Et puis après, dans la libération, ben, finalement, je réutilise hein, toujours ces mêmes principes, parce que finalement, dans ce protocole, j'explique, en fait, le principe de libération et de perception de compréhension de l'être humain. Et après, en fait, dans la libération, d'abord, généralement, c'est moi qui va aller contacter l'énergie. Je vais aller libérer aussi à travers les soins énergétiques. Je vais dire, en fait, les mots qui sont importants. Et puis après, donc, en fait, je raconte aussi cette histoire qui se transforme. Ouais. Et avec les compréhensions, les prises de conscience à prendre en compte et à intégrer. Puis après, la personne elle-même, en fait, je l'emmène dans cet état, qu'elle contacte elle-même ce qu'elle a besoin d'être libérée, qu'elle en prend conscience et qu'elle-même, en fait, sous ma guidance, qu'elle puisse, en fait, s'en libérer. C'est-à-dire que, OK, face à cette situation que tu observes, que tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, qu'est-ce qui change, etc. Et avec ces prises de conscience sur l'humain, sur l'envie d'être en paix, elle-même, en fait, elle va changer sa propre réalité. Et c'est comme ça que, du coup, au bout de l'accompagnement, on devient plus autonome sur ces problématiques. Et enfin, c'est ce qu'on a besoin aussi d'intégrer, c'est que l'objectif, ce n'est pas de ne plus avoir de problème, de ne plus avoir de blocage, ni de schéma limitant. On en aura toujours et c'est pour ça qu'on est là ici. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'en débarrasser?
C'est peut-être ça aussi la première chose à aller regarder. Oui. Et en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas en paix avec ça. Et si on est réellement en paix, mais en fait, quand ça vient, je dis « Waouh, viens, 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 je t'accueille. Je sais que tu parles de moi. Je sais que c'est l'occasion de m'aimer encore plus, de prendre encore plus conscience de moi, de ma personne, de ce que je porte. » Et en fait, ça devient quelque part aussi un plaisir, une joie de le faire. Et donc, on continue notre chemin de vie avec ça. Ouais, moi j'appelle ça enquêter sur soi, je trouve ça génial. C'est comme une carte de trésor, quoi. On va arriver au terme de notre interview. Est-ce que tu veux peut-être clôturer ou rajouter quelque chose que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de dire? Oui, tout à fait, merci. Bien, pour moi, justement, pourquoi est-ce qu'on veut aller voir nos blocages ou libérer nos blocages, nos schémas, nos lignées transgénérationnelles, pourquoi on veut avoir une vie plus fluide et harmonieuse? Bah pour moi, en fait, au final, à la fin, c'est cette envie d'aller se connecter à soi-même. Parce que nos blocages se manifestent à travers notre perception des choses. Mm-hmm. Et à la fin, c'est notre lien avec le monde. Et donc, du coup, comme le monde, c'est l'expression de moi, de mon intérieur, c'est le lien avec moi-même. Dans tout ce que je fais, je ramène toujours la personne à elle-même, à s'accueillir, à s'accepter inconditionnellement, hein, c'est le chemin vers ça, et à aimer, mais réellement aimer, accueillir ce qu'on pourrait mettre comme problème, en fait, sous le terme problème ou de blocage. Oui, je confirme. Aimez-vous. C'est ça. Et vraiment. Et même aimer la partie qui n'arrive pas à aimer. Il n'y a pas besoin de se forcer parce que l'amour, elle va devenir naturelle à un moment donné. Et par contre, ce qui est important, c'est se positionner. C'est un choix. Oui, je ne sais pas comment faire, mais j'ai envie d'être en lien, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie de m'aimer. Et c'est là où on reprend notre pouvoir de créateur, hein, notre essence, notre nature. Et c'est parce qu'on a pris conscience de ça, qu'on est connecté profondément avec soi-même, que du coup, notre vie devient plus fluide, plus harmonieuse, et qu'on a aussi plus d'impact. Parce que lorsque moi, j'incarne l'amour, d'abord pour moi-même, j'inspire à l'autre de s'aimer aussi. Et lorsqu'on on sème cette graine d'amour, eh bien, il y aura quelque chose, voilà, qui change aussi dans le monde. Je peux faire le choix de s'aimer, en fait, la graine de la peur, de la colère, de l'inconscience. Eh bien, il y aura tel résultat qui vont arriver. Et puis, si je choisis, ben, finalement, cette graine réellement d'accueil, d'amour de soi, et donc, du coup, le monde, puisque le monde, c'est soi, hein, eh bien, ben, finalement, on apporte plus d'harmonie dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai créé, en fait, ma marque, mon entreprise qui s'appelle Humanity and Harmony. C'est l'harmonie de toute notre part d'humanité, l'accueil de toute notre part d'humanité intérieure de soi qui va créer, en fait, en tant que résultat, l'harmonie dans le monde. Ce que je dis souvent, voilà, c'est le slogan aussi de mon entreprise, c'est la joie d'être humain et la puissance d'être soi. Donc, la conclusion, c'est vous êtes le meilleur cadeau pour le monde. Vous êtes votre plus cher enfant. Si vous arrivez à recevoir, en fait, cette vibration-là et être en joie avec ce que vous êtes, qui vous êtes sur le moment, il n'y a pas besoin de changer. Et c'est cette acceptation qui va amener naturellement au changement. Et bien là, je suis vraiment aussi, voilà, très, très heureuse. En tout cas, je sais que j'ai déjà semé une graine importante dans le monde à travers à travers ce podcast. Et merci beaucoup à Sarah d'avoir voulu m'interviewer. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi visiter mon site internet et me contacter si vous avez aussi des questions. Bien sûr, on va tout mettre en lien, on va tout afficher. Merci à toi. C'est vraiment, voilà, on finit sur de très belles vibrations, l'amour et ça, j'adore. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir, merci à toi. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous aurez appris plein de belles astuces grâce à Tsong. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelle erreur vous avez tendance à reproduire
car cela pourrait bien me donner une nouvelle idée de podcast à réaliser en fonction de vos réponses. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.